Monsieur Grandjean, pouvez-vous m'accorder une minute de votre temps ô combien précieux? C'est Monsieur Fion, là. Oui, c'est concernant les licenciements surprises du mois de septembre. J'ai la liste. Alors, sont nominés. Madame Bénissa. Alors, Madame Bénissa, son poste est perpétuellement occupé, monsieur Grandjean. Bah, écoutez, coup de fil personnel ou quoi, qu'est-ce? Mais enfin, il est impossible de la joindre, monsieur Grandjean. Madame Bénissa, vous voulez parler de qui je parle, monsieur Grandjean? Madame Bénissa, d'origine portugaise, que son mari avait chuté d'un échafaudage. On s'était tous cotisés au bureau pour lui offrir un sac de ciment, souvenez-vous. Bah, j'estime, monsieur Grandjean, que les coups de fil au Portugal ne sont pas utiles. Nous n'avons pas une succursale à Madrid, que je sache. Bon, alors, Bénissa, virée. Comme ça, c'est bien en noir pour quelque chose, celle-là. Alors, qu'est-ce que nous avons? Oui, Madame Cohen. Bon, Madame Cohen, ce n'est pas le fait qu'elle soit d'obédience judaïque qui me dérange. Encore que... mais c'est plutôt le fait qu'elle soit handicapée, monsieur Grandjean. On a réellement besoin d'handicapants au bureau, monsieur Grandjean. Je vous pose la question comme ça, ipso facto. Non, hein. D'autant qu'un jour... Madame Cohen était en couloir, elle a chuté de sa chaise de souffrance. Elle était là, gigotait comme un petit poisson rouge. C'était de la ridicule. Bon, j'admets que ça nous a tous fait rire, mais enfin bon... On n'est pas lourde hein, non plus, hein? D'autant que Madame Cohen volait des stylos, monsieur Grandjean. Quatre couleurs, quand même, hein? Alors, Cohen, virée. Voilà, je peux la voir, celle-là. Ça fera plus de place dans l'ascenseur. Qu'est-ce que nous avons? Je passe du foc à l'âne, là. Oui, Fournier! Le petit Christophe Fournier! Alors lui, il est beau comme un dieu, mais enfin, c'est une véritable feignasse, ce grand-là! Ben, écoutez, un exemple comme ça, recto verso. Un soir, j'ai l'amabilité de lui proposer de venir travailler un dossier chez moi à la maison.
Vous savez ce qu'il m'a répondu, monsieur Renard? J'en ai encore le rouge jaune, monsieur Renard. Il m'a dit, toi, la petite fiotte, tu ferais mieux d'aller sucer la bite à Grandjean. Ah non, j'étais furax, j'ai monté sur mes ergols, À ton âge, je portais déjà des slips de couleur, hein, mon petit bonhomme. Je suis ceinture noire de yoga. Vérifie tes sabbatis, hein. Ah non, je grand âge, j'étais furax, là. J'en ai encore les fesses qui font bravo, là. Enfin, comme un manque de respect, bon, ça, je dirais que j'ai l'habitude depuis le temps. Mais vous, monsieur Grandjean, non, c'est monsieur Grandjean. Un homme de votre acabit, si bien introduit dans tous les milieux, non, c'est enfin, vous m'imaginez en train de vous prendre en bouche. Non, hein? Tant pis. Alors, Fournier, tu es viré. Je ne peux plus la voir, celle-là. Qu'est-ce que nous avons? Oui, ponton! Alors, ponton, en plus, ça ne veut rien dire, son nom. Alors, lui, ça fait 6 mois qu'on ne l'a pas vu. Tranquille! En vacances! Comment, monsieur Grandjean, il est décédé? Mesdames, monsieur Grandjean, tant qu'il n'est pas là, il est absent. Ah, bah oui, mais quand même, hein. Alors, qu'est-ce que je mets? Bon, bah, licenciement pour cause de décès suivi de mort. Voilà. Service comptabilité, mademoiselle Catin. Alors, elle porte bien son nom, celle-ci, hein. Alors, elle habite aux toilettes, cette petite jeune fille. Écoutez, il est tout le temps fourré, monsieur Grandjean. Vas-y, que je te tire la chaise d'eau. Vas-y, que je te tire la chaise d'eau. On se croirait aux chutes de l'Himalaya, là. Non! Enfin, on ne vient pas au bureau pour effectuer ses besoins naturaux. Hein? Bon, alors, virer celle-là, je ne veux plus la voir. Ah oui! Alors, j'ai gardé le meilleur pour la fin, monsieur Grandjean. Blatini! Blatini! Alors, lui, c'est la cerise sur le bateau. Alors là, depuis que je lui ai annoncé son licenciement surprise, il n'est pas à l'aise dans ses pantoufles, cet homme.
lendemain. Écoutez, ce matin, je le croise en couloir, je dis bonjour, Jean-Paul, ça s'organise bien le chômage. Il a mal pris, dis donc. S'est approché de moi, il m'a craché des noix de cajou au visage. Du dos, À ton âge, je dis ça. Hein? Bon. Attendez, je cherche là. C'est pas marqué. Eh oui, il a foutu une grande direction son bureau. Alors je me suis dit, c'est pas normal. Et je me suis approché de son bureau et j'ai entendu, par hasard que j'écoutais, qu'il émettait comme des bruits de sanglier. Comme si on écrasait des petits oiseaux. Alors j'ai dit, vous désirez un aspégique, monsieur Blatini? Pas de réponse. Dis donc, alors, ni une, je prends mon passe-passe-partout, j'ouvre le bureau. Oh, monsieur Grand, j'ai une vision comme jamais je n'en avais visionné, monsieur Grand. Nous avions mon Blatini sur le bureau, entièrement nu, dans les parties honteuses et tout. Droit comme un Y. Avec du papier, de la paperasse dans le bec, comme ça. Alors j'ai dit, comme d'habitude, des dents. Vous allez arrêter de faire le foufou maintenant. Vous allez me faire le plaisir de mettre un slip. On choisira la couleur ensemble si vous le désirez. Enfin, ça va maintenant, les conneries, hein? Sinon, monsieur Grandja et moi-même, on va se fâcher tout jamais, alors. Et là, monsieur Grandja, en l'espace de... quasiment une année-lumière, pas plus. L'individu s'est mis en boule, comme une petite bouloche. Vous savez, les petites bouloches de papier qu'on se jetait étant jeune, finalement. Non, mais pas. Et il s'est mis à tourner comme une toupie géante. Et là, il s'est collé au plafond.
Monsieur Grandjean, pour votre gouverne, Fion, ça prend un Y.